Combien y a-t-il de cookies Alors là on a des, des cookies, on, il peut y en avoir 9, 5 ou 7. Il faut qu'on choisisse. Est-ce qu'il y en a 9, 5 ou 7 Alors bon, on va les compter, mais il faut juste faire attention à ne pas les compter deux fois, hein, donc, parce qu'ils sont mis tout dans le désordre comme ça. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait et à ne pas compter deux fois un seul un cookies. Hein. Alors je commence ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 cookies ici. Alors je clique là. Voilà. On va revérifier quand même, hein. je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je suis sûr que ai pas, je ne les ai comptés qu'une fois chacun. Donc, ça marche, ça marche. Je vais vérifier ça. Voilà, on va continuer. Combien y a-t-il de fleurs alors, on va compter ces fleurs. Alors là, elles sont disposées en cercle. Hein. Donc il faut faire attention. Il faut... On va commencer quelque part. Je... Moi j'aime bien commencer en haut, là c'est plus pratique. Mais il faut bien se souvenir qu'on a commencé à cette fleur-là, parce qu'il pas... faudra faire attention à ne pas la compter deux fois. Hein. Donc alors je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 fleurs ici. Alors... On peut peut-être tenter de continuer et de compter celle-là, mais ça ferait 7, mais euh, on a déjà compté celle-là, donc en fait il n'y en a que 6. Hein. On peut recommencer, on commence ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je m'arrête là puisque celle-là je l'ai déjà comptée. Donc ici j'ai 6 fleurs. Vérifie, voilà, ça marche, on continue. Alors là c'est des coccinelles, donc euh, c'est comme tout à l'heure, mais il euh, faut faire, juste faire bien attention à ne pas compter deux fois une, une coccinelle, hein, donc on... On se souvient bien de ce qu'on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là je les ai comptés une fois chacune. Donc il y en a 8. Je clique là et je vérifie. Et ça marche. Allez, on en refait encore un. Alors cette fois-ci c'est des singes et il y en a beaucoup, alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là il y a 15 singes et là je suis sûr que je les ai comptés bien dans l'ordre, ils sont bien rangés donc c'est plus facile. Je les ai comptés qu'une seule fois chacun donc il y en a 15. Allez on vérifie et ça marche et on en refait un autre. Alors, combien y a-t-il de lapins Alors là, ils sont disposés un peu en cercle aussi. Hein. Donc, comme tout à l'heure, il faut bien faire attention à où on commence. Il faut se rappeler d'où on commence et bien faire attention à ne pas en compter deux fois. Hein. Alors, je vais commencer par celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, bon, attention à ne pas continuer. On a envie de continuer, mais ceux-là, on les a déjà comptés. Donc, je m'arrête là. Il y en a 6. Alors, je clique. Et voilà.